Félix Séguin est avec nous pour parler des séries de la LNH. Bonsoir, Félix. Bonsoir, Sophie. Il y a de la grogne à Toronto. Oui, et j'ai décrit le match samedi. Et devant nous, pendant qu'on décrivait le match, j'ai passé une scène qui a fait le tour de la planète hockey, la bisbille. Et c'était comme une télé-réalité devant nous. On est en deuxième période et à un certain moment, Matthews regarde l'autre joueur vedette qui est Mitch Marner, lui dit sa façon de penser. Et l'autre joueur vedette qui est William Nylander demande à Marner d'arrêter de pleurer. Et là, je suis quand même prudent avec mes mots. Bref, ça ne va pas bien parce que l'équipe tire de l'arrière 3-1 dans la série. Et ça ne va pas bien parce que, depuis plusieurs années, Sophie, les Leafs ne connaissent pas de succès en séries éliminatoires. C'est toujours la même chose. Le scénario change, mais les gens à Toronto sont tannés. Ils veulent des changements. Et là, on se retrouve au bord du gouffre avec à une défaite seulement d'être à nouveau éliminé. Ouais. Alors, et en plus, ce que je dois ajouter, c'est que le joueur vedette Austin Matthews pourrait peut-être rater le prochain match. Il est aux prises avec un virus. Il a raté la troisième période du dernier match. Bref, ça va pas bien. Ça va mal. Par ailleurs, le Lightning fait encore face à l'élimination. Ouais. Ils ont gagné dans le dernier match. Ils ont sauvé leur saison. Là, on se retrouve à 3-1 dans la série en faveur des Panthers. Et Lightning, évidemment, la pente est très, très abrupte à remonter. Mais Lightning a énormément d'expérience. Dans les dernières années, on a gagné 2 Coupes Stanley. Du côté des Panthers, c'est une équipe qui est en pleine ascension, Sophie. Cette équipe-là, l'an passé, a atteint la finale de la Coupe Stanley en parfait contrôle. Et on veut démontrer que la défaite dans le dernier match était simplement une erreur de parcours. Alors, ce soir, le match est présenté à TVA Sports. Les Panthers vont tenter d'envoyer en vacances le Lightning de Tampa Bay. Et le match de ce soir est présenté à TVA Sports. Il y aura un autre match présenté à TVA Sports à 21h30. Il s'agit du match entre les Stars de Dallas et les Golden Knights de Vegas. Les Golden Knights qui mènent 2-1 la série. Les Golden Knights, je vous rappelle, sont les champions de la Coupe Stanley. Et je vais terminer, Sophie, en vous disant et en disant à vos téléspectateurs et téléspectatrices que la Coupe Stanley sera parmi nous demain. Une belle fierté. Ouais. Merci, à demain. Bye, Félix.